Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Comment nous y est, comment nous passons ce jour? J'espère que nous tous très bien au nom de Jésus. Et pas oublier, ces amis ou Éclair Info qui rentre la caillou avec information dans la dernière minute qui a passé et dans la zone la caillou. Journal jeudi 4 mars 2021, il y a en pile d'informations que nous allons partager avec vous pour capable connaître et bagaille qui a passé dans la communauté haïtienne, dans côté que en pile militants est réuni pour être capable parler sur question de coup d'état, ou parler sur question de activité, on paquet d'activité et on parle même parler sur libération prisonniers politiques yo. Nous prenons le temps de ça tout à l'heure, c'est avec toujours ami ou un plaisir et une fierté pour nous même pour nous servir Éclair Info. Ton yon petit moment. Pierre Buteau, ses frères jumeaux Gauthier qui est en prison quoi des bouquets à cause accusation coup d'état de pouvoir en place là fait souli n'a pas que famille Buteau non qu'est serré depuis les juges Ivikel da Brésil t'est arrêté pour même cause là. Pierre Buteau a expliqué qui est-ce qui frère là une manière pour dire l'état ti frère là pas ta jambe dans yon activité pareille. Yon l'autre côté encore, yon batterie, yon avocat chargé, coulée bas, sous dossier pour mander libération prisonnier politique yon. A Gauthier, cabinet Jeve Chal, LNDH, côté chapeau yon, bien bas, yon saluer. Presse parlée, presse en ligne, presse télévisée et presse écrite. Pour déplacement, il fait pour venir couvrir conférence ce matin. Et jeudi 4 mars 2021. Objectif conférence pour la presse, c'est pour famille Buteau ak Gauthier et puis avocat yo M. Mario Joseph ak M. Jeve Chal exiger libération prisonnier politique yo pouvoir kidnapper depuis 7 février 2021. Nous la matin d'abord c'est pour nous dire pour avocat pour famille comme organisation droits humains et pour nous dire mounio yo c'est prisonnier politique mounio arrêté 7 février yo la caillou et nous tout pas ici à connait pour manque coup d'état fait et moun ki piti yo té wè kidnapping coup d'état 2004 là donc yo pas ka prendre dans la Mayotte ça m'a dit d'abord ça nous fait et nous te gen en pile ak nou te réaction qui t'est faite en habeas corpus nous pas ka ignorer et yo pas la gen juge qui vitel soit habeas corpus tant yo voye dossier devant un juge ça c'est une première partie et même si doyen et pour nous même il était mal décidé parce que pour ton dossier on tout balé il pas ka aller un monde pour le décider sous lui. Et puis l'autre monde l'ignorer. C'est une violation grave de trois mondes. Mais tout dossier arrivé à l'institution, nous-mêmes ça nous fait. Pour avocat, nous écrit à lundi que nous faisons un sac pour y bail juge Yvel. Pour nous dire, nous c'est avocat mounio. C'est nous constituer pour yo et nous mander li pour le temps de moun. Et j'ai joué aujourd'hui, nous pas gagné ni réponse Jijivel. Nous pas gagné qui ça l'a fait avec demande son axe UC signifié pour le temps de moun parce que Haïti
signé un paquet d'accords, conventions, que même généralement, je dis non, certains là-dedans, parce qu'ils garantissent le droit de l'homme, et article 7, convention interaméricaine de droits humains, 7.3, nul ne peut être, ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraire. A été signé et ratifié. Et si on prend article 7.5, il dit tout arrêté ou détenu sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires et devrait être jugé dans un délai raisonnable. Ce n'est pas le cas dans sa mouguée là aujourd'hui. Le cas kidnapping qui fait, le 7 février 2021, donc ce n'est pas ça, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la justice qui a fait là. Nous allons dire que le tribunal est fermé. Mais nous, on peut parler tout avec nous on est ça parce que nous interpellons les juges pour eux. Nous interpellons les humains qui ont même dit qu'il y a fait une grève. Nous même nous d'accord complètement avec eux parce que l'État juste derrière, nous n'avons pas d'accord tout. Mais cependant, je dis qu'il y a une urgence, il y a côté pour les gens qui ont un problème de tension préventive. Yo, pour autant de yo, et ça va pas faire. Si vous voulez ça, nous ne pas bien, les jugements nous demandent pour le temps de nous. Donc, et ça va fait. Nous avons une situation, nous avons beaucoup d'avocats, nous ne connaissons pas à quel sens c'est vrai, et des gens nous connaissons qui ont arrêté habituellement, et qui ont arrêté à des heures indues, parce que nous sommes clairs à qui l'heure pour arrêter les gens 6 heures, pour 6 heures du soir, 6 heures du matin, ou pas qu'on entraîne dans le cas où avec une infraction en nuit, avec son violation liée, et puis ou elle prend la caillou et vous dit que tu vas faire coup d'état pour que tu ne prennes pas l'aime, pas qu'on ait coup d'état. Alors, moi, la première fois, moi, coup d'état fait et il n'est pas fait. Bon, nous-mêmes, journalistes, on fait le flan tout. Et coup d'état, quand tu as dit, qui ça a commencé à faire? Qui ça a commencé à faire? Donc, nous, là, matin, nous avons dit la presse là, que nous avons travaillé, nous avons avancé, que certains avocats qui font recours sous habeas corpus, on a des recours d'appel, mais nous souhaitons que l'organisation et pour Anama, et pour nous interpeller le juge Morin, et puis le juge Dumé, pour mettre ces cellules là pour que les gens aient le temps de faire. Même j'ai été fait pour Gigi Vickel là, article 80, n'a pas demandé l'appliquer. Merci, et Pierrot, et Buto, à continuer. Remercier Maître Mario Joseph, DAI, et le cabinet Maître Gervais Charles, ami de longue date, mon disciple. M'a profité pour remercier RNDDH, m'a remercier monsieur. Et puis, moi, quand on voit, je salue la presse bien bas. Et pas seulement la presse, mais ANMH et toute organisation, réseau, presse, réseaux sociaux, tout net. Et puis, je salue tout RNDDH et notre réseau droits humains et surtout professionnels, droits, avocats qui spontanément mettent au service de nous. Et ça, dénotons un point très important et qui peut être indiquer avenir démocratie. Parce que problème famille noire, problème famille Gauthier, problème Claude Veillard, famille Veillard, ce n'est pas problème non seulement, c'est problème tout le monde. Et je dis à, c'est la première fois qu'on a éprouvé directement de façon intime, ça aurait été une montée de société civile, groupe de pression, société civile très active. Et avenir démocratie qui en danger, vraiment, nous croyons que nous n'avons pas besoin de désespérer pour nous sur ça. Maintenant, ce qui a trait à famille, excusez-moi de parler de vous, puisque c'est au Planca et c'est vous qui, justement, qui occasion fait ça. Il y a les soeurs Gauthier, donc docteur Gauthier, que c'est intime, seul là. Il y a Claude Véa, mon ami de longue date, et Sim Samier Josia en partie. C'est grâce à l'amitié de Claude Véa et l'autre ami, nous avons une chance à chaque étape de rencontrer un monde, deux mondes,
deux hommes qui viennent permettre nous d'aller en avant. Et c'est ça qui a passé là, je dis là. Et le docteur Gauthier, son nom, toujours aimé parler avec elle. Il y a une particularité, il y a un projet moyen, comme nous. Mais son monde qui a une passion métier, mais une passion politique, tout elle a des droits. Et la conquête démocratique, nous avons eu, pas les droits, ça. Et son monde aimé parler métier avec elle. Et le bâton de métier avec lui apprendre en pile et surtout un diagnostic intéressant. Et puis surtout, c'est un rare chirurgien qui, ici, depuis longtemps, a travaillé sur la question du cancer du sein. Et nous, toujours, chaque fois, qu'on a des problèmes, ses amis, nous sommes toujours référés. Nous parlons de Claude Veilla déjà et m'a parlé de Jumeau. Et avec Jumeau, ça, son bail particulier. Son bagage, l'autre jour, hier matin, on rencontrait deux qui semblaient en ville, on dit, je vais venir à la Bordeaux, attendez. Et ouais, c'est ça qui est passé quand il y a. Loulou, c'est pas seulement je vais, c'est 100 000. Mais Loulou, c'est un monde qui n'a pas fait politique active, qui n'a pas de politique. Mais son compagnon de route, et depuis longtemps, depuis un secteur politique, un parti politique, ou bien des amis qui ont réfléchi sur le dossier de pour dire ah, c'est environnement, c'est forêt, ils ont été bon de dire c'est environnement, c'est forêt, ah, les loulous. Ou bien monter projet, dresser dossier parce que son fonctionnaire d'État, son serviteur de l'État, j'en sais qu'on existait longtemps et quand il a commencé tout jeune, mon hôpital. Et sous un mon hôpital, pas vert, aujourd'hui à Jean-Paul Vert, excusez-moi de parler de ça, c'est pas faux. Parce que ça, il était pour contrôler. C'est ça qui intéressait. Et sous elle, pour t'aider à ces dossiers de travail. D'ailleurs, je te dis, on voit le fond de retraite de travail, souvent, on dit ça. Et par contre, ça l'a pété là. Et personnellement, nous avons une relation très intime, moi-même avec, puisque c'est jumeau avec, bien exactement pour côté de tout. Nous parlons tout ça, nous parlons tout, parler musique, nous parlons littérature, ou bien. Métier, nous apprendre le métier l'autre, etc. Ou bien le map travail sur une question, nous toujours dire sur penser, ou bien dire ça va t'en besoin. Ou bien c'est travail de ça. Et en principe, côté lié là, il n'y a pas de doué là. Et nous ne pouvons pas prendre ni tout le monde qui l'autre corps là, pour qui raison là. C'est-à-dire que voilà que des mondes qui victimes un système, une conjoncture, et puis. À partir de ce moment, il a fait au passé pour sortir à carréler des forgeurs de l'État. Loulou fait sport. Elle va faire stop, sport pour l'attaquer ni palais, ni forteresse, ni caserne. S'il te compte faire ça, depuis sous du valier, il t'a compris. Même s'il te prend en pile risque pour cacher les amis des fois, guimper les amis, tout le bagaille, mais en principe, il n'y a pas de formation pour faire. Et l'autre monde non plus, et à l'âge du river, il n'y a pas de question comme ça. C'est l'ordre de dossier. Je ne vais pas priver trop loin parce que Jean-Jean, le petit frère de Paul Ballet, il y a M. Gervais, il y a justement et Pierre qui a parlé tout. Alors, passez par là. Yon lot kote responsable national kap défend droit moun fouye bouche nan koze prisonnier politique yo. C'est même problème lan, tout moun ap konfronté d'après Pierre Espérance, qui pensait yo tap saisi occasion pour changer ça, mais dommage. Et c'est même bagaille là yo ap fait dans système là. Pierre Buteau, c'est frère jumeau Gauthier qui est en prison quoi des bouquets à cause d'accusation coup d'état de pouvoir en place là. Fait sous lui, n'a pas oublié que famille Buteau non qu'est serré depuis les juges Yves Kel d'à Brésil t'est arrêté au même cause là. Pierre Buteau a expliqué qui est ce qui ferait là, une manière pour le dire l'état, qui ferait là, pas d'abus, jamais dans une activité pareille. Exécutif de facto a traité. De l'autre côté encore, yon batterie, yon avocat chargé coulé bas sous dossier pour mander libération prisonnier politique yo. Pierre Buteau, c'est frère jumeau Gauthier qui est en prison quoi des bouquets à cause d'accusation coup d'état de pouvoir en place là. Fait sous lui, n'a pas oublié que famille Buteau non qu'est serré depuis
les juges Ivikel da Brésil ont arrêté pour même cause là. Pierre Bito a expliqué qui est-ce qui frère là, une manière pour le dire l'état si frère là pas ta jambe dans une activité pareille. Mais il tout fait silence sur 17 Yon l'autre côté encore, yon batri yon avocat chargé kou legba sou dossier pou mande libération prisonnier politik yon. Et liberté individuelle moun pa jouer avec ça. Ki jan moun yon te arrêté? C'est vers 2h30, 3h du matin. Et la police, palais national, qui est GPL, yon unité qui se pa ouvri, débarqué dans kay. Et ministre de justice là, directeur général de la police là, commissaire gouvernement de Bouquet, avec un juge de paix, il a débarqué sans pas de mandat perquisition de un juge d'instruction. Et là, son violation domicile. Il a débarqué, il a arrêté, il a pris, il a mis dans le DCPJ. Il a fait journée dans le DCPJ, jeudi 7 février, c'est juste dans l'après-midi, il a eu un petit peu de manger barrière. Magistrat, avocat, immobilisé, il met Ivikel dehors, et puis dossier 17 autres prisonniers politiques, il y a un juge d'instruction qui a vu la même situation dans le système, qui a pris la même immigration, qui a vu la même réalité, au lieu que vous avez saisi l'occasion pour dire à monde international qui a bail aussi pour qui prend pire, qui fait une intervention, et sous dossier ça. Et mais il va faire rien. Il va sous des coffres. Avec question, la justice qui est en grève, son prétexte, si vous voulez libérer les gens, c'est des gens qui sont en prison illégalement, vous avez libéré. Et les associations magistrales ont annoncé et vous campé après deux dernières décisions pour le régime de facto afghan. Vous avez voué trois juges à la retraite et puis nommé trois autres juges en dehors de la loi. Mais vous avez dit tout y a un canal qui permet que vous penchez sur la liberté individuelle. Dès nous disons la liberté individuelle, là, c'est les gens qui ont penché, les gens qui sont en prison. Les gens en prison qui ont arrêté arbitrairement. Donc, les gens qui sont en prison illégalement, eh bien, la justice n'a pas l'autre bagaille pour faire. Mettez-vous dehors. Et dans le commencement, le maître Mario Joseph a parlé, il dit que les doyens ont penché sur la BIA ce pour ça. L'idée dit que tout le monde a arrêté illégalement, habituellement. Eh bien, juge là comme ça, pour qui ça, il va libérer. Il doit libérer. Mais maintenant, on a notre exemple autorité, de facto, dans notre pays, et les gens qui ont fait répression, les gens qui ont fait abus, les gens qui sont impliqués dans la violation, doivent. Nous songez Emmanuel Constant, peut-être en plus de nous là pour qu'on fait, Toto Constant. Pendant la période coup d'État 91-94, qui était dans la tête pour un groupe paramilitaire, n'a arrêté les gens, massacré les gens. Mais aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison. Donc, les gens qui ont impliqué, les gens qui ont continué à faire violation de la population, les gens qui ont fait répression, bientôt documentation, eh bien, ils ont suivi nous n'importe qui est, n'importe qui côté sur la planète. Nous même ça nous manque. Nous demandons des populations pour lever camper contre le pouvoir dictatorial, ça, camper pour nous défendre la dignité, camper pour nous défendre la douane. Et nous avons tous les acteurs dans la chaîne pénale, dans la justice, faire un petit effort, faire honnête le système, montrer que nous n'avons pas d'outils, d'instruments, rester avec nous, pas marier dans le pied de l'exécutif. Donc, il n'est pas normal pour nous aider 17 personnes. Qui n'en met nous, illégalement, arbitrairement, ils ont débarqué, ils ont arrêté nous pendant que nous avons dormi, nous n'avons pas fait rien, nous n'avons pas fait aucune infraction, et puis nous avons fait un. Donc, au moins, ils ont fait un effort, ils ont montré, et nous avons dit, nous avons gardé nous, et nous avons défendu la justice haïtienne, mais nous, même magistrats, qui avons dossier ça dans nous, faire un bagage, libérer nous. Libérer parce que c'est des gens qui ont mangé prison habituellement, illégalement. Même qu'on est, tout ça n'a pas vu en la pays à journée de l'IA. Côté que, tout indicateur dans la question d'état de droit, il est rouge. Peuple haïtien, il connaît l'histoire et m'a dit,
tout ça la vie journée aujourd'hui là, c'est peuple haïtien qui gagne dernier mot. Et mon monde qui a impliqué dans des violations systématiques droit monde, il a poursuivi nous n'importe qui côté nous sur la planète. Voilà, on est toujours dans le cadre de la conférence pour la presse journée jeudi 4 mars 2021 ensemble. Et docteur dans l'hôpital général yo invité tout secteur dans ville nationale là et dans une grande mobilisation qu'a faite jour dimanche 7 mars là pour demander l'état prendre responsabilité là face à fléau kidnapping là qu'a fini avec peuple là et profiter tout mander justice pour docteur Ernst Badi psychiatre victime lâchement assassiné en bas balle assassin kidnappé qui a fini avec la vie nous dans pays ça nous mander justice en même temps tout pour tout le monde que kidnapping décapitalisé la guerre de bras balancé. Donc dans ce sens ça nous-mêmes nous inviter tout secteur dans la vie nationale que le protestant catholique vaudouisant université étudiant secteur syndical syndicat moto, syndicat machine, tout groupe organisé dans la société civile, là, secteur femme, moun ki nan commerce, tout le monde, pour mobiliser. Pour mobiliser contre machine la mort. Pour mobiliser contre zak assassinat, kidnapping, qui a fini avec nous. Je dis, nous sommes le docteur Paddy, je dis à nous sommes Miss Mentor. L'année dernière, c'était Evelyne, c'était Saint-Hilaire, c'était Maître Dorval. Commencement année, c'était Timoun 5 ans qui est assassiné par bandit. Donc, tout pour derrière, si vous ne prenez pas de décision, je dis à vous lever camper. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas arrêté de garder parce que nous choisissons de vivre dans le pays. Nous choisissons de servir dans le pays. Donc, nous ne sommes pas capables. À garder population à continuer victime et nous pas capable tout continuer victime chaque chose c'est responsabilité chaque citoyen jodi a quel que soit côtoyé dans pays pour engagement et engagement ça nous invitons manifester dans date cap 7 mars cap venir là dimanche depuis le fait 10 heures tapant n'attend nous toute là devant l'hôpital général on a le marché pour la vie. Pour nous marcher contre kidnapping, pour nous marcher contre assassinat, pour nous marcher contre insécurité, parce que c'est rôle l'État pour le bonheur sécurité, c'est rôle l'État pour assurer bien-être de chaque individu. Dès que l'État faille à mission, ça, tout simplement, nous disons, c'est soit placé ou pas là, ou bien rempli rôle. Merci. Voilà les mots. Secteur santé a invité tout secteur dans la vie nationale pour nous investir la rien pour que vraiment nous allons dire oui pour la vie, non contre sécurité, non contre kidnapping et pour nous demander justice pour chaque monde que kidnapping décapitalisé, genre docteur Adabdil là, ça veut dire monde qui paye gros rançon. Donc, il paye l'argent même qui a fait toute vie à travers en Haïti, il va être capable de gagner. Pour demander justice tout pour chaque monde qui tombe. Parcours Machelan, c'est ça. À 10h après, on attend tout le monde devant l'hôpital général. Après ça, nous montons la rue Saint-Honoré. Nous tombons rue Capois, ok, zone Chaudmas. Après ça, nous traversons, nous allons chemin des Dalles. Et nous arrivons là, nous apprenons pause dans l'espace devant le laboratoire de Spinas, côté qui a fait tentative de kidnapping sur le docteur Paddy, ensuite pour tuer lui. Après ça, on a passé avenue John Brown, monté Nazon pour nous traverser Carrefour Résistance. Après ça, on a monté l'autoroute Delma, traversé Delma 60. Après, on a descendu sous Boudon. Après ça, on a descendu dans la rue d'Alancou pour nous aller finir machin. Devant place Canapé Venant et des possibilités pour nous arriver encore devant le laboratoire d'Espinasse et dans la zone Abri Christophe, côté Yoté Touye, docteur Paddy. Donc c'est pas un match corporatif, c'est pas comme si et c'est secteur santé qui a organisé un bagage.
contre monde dans santé a tombé. Mais c'est jodi en insécurité, son phénomène systémique lié, quel que soit monde qui tourne dans la presse, qui tourne dans la police, quel que soit le niveau de notre société a concerné par phénomène ça, c'est dans ce sens que tout secteur dans la vie nationale là, vinn coller coude avec nous, vinn coller les épaules avec nous pour nous al di non à insécurité, pour nous al di à bas insécurité, à bas kidnapping. N'a passé docteur Danov pour nous conclure parce que justement c'est couper dans le travail nous pour nous qu'à venir faire conférence de presse parce que l'hôpital là fonctionne normalement. Et nous voyons, n'a conclu pour nous voyons un appel de solidarité, un appel solennel à tout secteur de la vie nationale. Parce que là, nous considérons dans quel niveau que personne ne va épargner, quel que soit si mon école, mon église, docteur, infirmière, avocat, ingénieur, personne ne va épargner. Nous disons non, n'a pas suspendu avec ces bagages qui sont toujours faites par catégorie, à chaque fois, un secteur qui frappe et puis secteur ça prend la rue. Nous disons non, dimanche 4, et 7 mars, tout secteur net, tout haïtien, tout monde qui a vu sur le territoire, n'a pas levé avec une seule voix pour nous dire non, il faut que nous marchions contre l'insécurité, pour nous marcher contre l'injustice, pour nous marcher contre le kidnapping et pour nous dire consacré, pour nous voyer un message à l'État, pour nous voyer un message à l'autorité, pour nous dire que si vous n'avez pas assurer la sécurité de chaque citoyen, si vous n'avez pas assurer responsabilité en tant qu'autorité, que vous-même, vous pliez bagage pour remettre le pays à des gens qui sont compétents, des gens qui ont des capacités pour permettre que tout haïtien dans le pays qui vivent libre et libre, pour circuler les gens sous terre nationale. Merci beaucoup. Même quatre pour nous parler de nos journal international là, ici pas bon ici dans la couche Chili. Il y a un jeune garçon qui perdu la vie li, côté dimanche là dans zone 4 dans l'après-midi et que monsieur a privé t'a passé et puis il a fait attente à souli aura les âmes, il a saisi toute ça le gagner toute ça le posséder. Il prend papier li, il la gueule sans papier et il était même rivé frapper parce que on connaît nèg la ces garçons. Il était obligé ta font tirer réticence, il pas de vle pour le remettre ça que t'es maintenant, mais monsieur était obligé frapper monsieur David lui même qui l'a déjà qu'a fait démarche pour est-ce qu'il est capable de joindre assistance et ici hein, pour le capable de joindre papier pour le fonctionner libéralement dans le pays hein. Et c'est une bagarre qui a fait crise ici dans Chili, moun pa vle moun papier dans terre. Eh bien, c'est toute information ça qu'on dégaine. Nous avons vite au moins font titan de monsieur à qui t'a parlé tout petit dans micro et clair info. C'est lui David. Et moi c'est un monde, c'est pas tout. Et moi c'est ça tout, mais pour le moment là, j'en ai des amis. Ça qui fait nous mal et qui fait triste tout, c'est parce que il y a ce moment-là. Les autres avaient dit qu'on grave ça m'a dirigé pendant beaucoup de temps. Il y a tout à coup, moins de trois personnes et il y en a d'autres qui ont sa carte souvent et ensuite. Et puis tout est nécessaire, quelques pantalons, quelques canettes. Et passeport, même des calmes et tout, ils prennent, ils avaient dit, ils prennent toute la gueule pour une femme qui est capable de rendre un service. Donc, pour besoin de circuler. Bon, yeah. Donc, toute la gueule qui est là, il faut circuler, les victimes, ils prennent. Mais est-ce que, autre chose, je t'ai dit, moi-même directement, ça ne m'a pas mentionné, pour dire, tu es frappé. Oui, bon, oui. Il faut faire une réticence. Pourquoi ne pas faire pas quitter nous, les garçons, bel embargo, mais quand même, il n'a fait rien. Et les noyés, les messieurs, ils ont eu le patrie, ils ont eu le saccage, au moins avec des amis, bon, juste blessé. Et vraiment, ça va. Et il était dans l'amertume, il me sentit que, et parfois, toute réaction, toute m'a fait, toute réaction, bah, ils vont présenter devant, ça veut dire ça vraiment dur. Même les autres pays ne vont pas pour tout, mais le problème c'est partout.